Bonjour, je suis le frère Antoine et je vous contacte au sujet des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, auprès du pape François à Lisbonne. Il y a 6 ans, pour Cracovie, nous avons emmené environ 200 jeunes qui, pour beaucoup, ont découvert la foi ou l'ont fait grandir au cours de ce séjour auprès du pape. Aujourd'hui, nous voulons emmener 250 jeunes à Lisbonne et nous voulons, comme pour Cracovie, les encadrer suffisamment pour pouvoir répondre à leurs questions et les former dans leur relation au Christ. Il faut donc 24 ou 25 frères et sœurs. Et grâce à Dieu, qui a été bon en vocation ces dernières années, nous avons trouvé 24 jeunes frères et sœurs prêts à faire 40 heures de bus et dormir par terre. Mais il faut les financer. Chaque participant des JMJ coûte 805 euros. Les jeunes demandent à leur grand-mère, à leurs parents, à leurs grands-parents. Et les frères demandent à vous. 805 euros fois 24 frères, cela fait 20 000 euros à trouver. Alors vous allez me dire tout de suite, c'est impossible. C'est impossible, avec des petits dons, de faire 20 000 euros. C'est vrai, il faut des gros donateurs. Et grâce à Dieu, les gros donateurs ont été efficaces et nous avons déjà trouvé 13 000 euros, voire même un peu plus, pour les 20 000 que nous devons trouver. Il en reste en gros entre 5 et 7 000. Et pour ces 5 et 7 000, nous avons vraiment besoin de vous. Vous serez des centaines, voire un millier ou deux milliers à voir cette vidéo. Si un grand nombre d'entre vous donne 10, 15, 20, 50 euros, nous pourrons sans problème réunir les 6-7 000 euros qui manquent pour pouvoir emmener 25 frères au JMJ à Lisbonne. Je compte sur vous, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et faites votre don en ligne, c'est très rapide, c'est très facile. On en a vraiment besoin, même si ce don est petit. On prie pour vous, merci.